La Pâque, c'est dans quelques jours. Les festivités de la Pâque, baptisées Pâquinou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, c'est dans quelques jours. À Kami, village situé à 7 km du centre-ville de Yamoussoukro, les préparatifs vont bon train. Cette année, les jeunes veulent lever des fonds pour la construction d'un centre de santé. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Zainab Dosso. À quelques jours de la fête de Pâques, le village de Kami fait sa toilette. C'est qu'ici, la Pâquinou est toujours un moment pour parler développement à côté des festivités. Cette année, la jeunesse est décidée à offrir à son village un centre de santé et pour ce faire, elle compte lever des fonds pour la réalisation de son projet. Kami, comme je l'ai dit, c'est un gros village et on n'a pas de centre de santé ici. On va en ville, puisque Kami n'est pas trop loin de la ville de Yamoussoukro. Mais cette année, on a décidé d'avoir un centre de santé ici à Kami. Et la fête, pour pouvoir réunir tout le village, il faut organiser la fête de Pâques et puis présenter le projet. Un centre de santé n'a jamais trié pour apporter la santé, que tu sois Gourou, tu es à Kami, que tu sois Sénifou, tu es à Kami, que tu sois Wobé, tu es à Kami, que tu sois Français, tu es à Kami. Le centre de santé nous concerne tous. Donc nous voudrons lancer cet appel pour inviter les uns et les autres à apporter leur pierre à l'édifice. À côté de ce projet, la Pâquinou 2022 à Kami sera un moment de retrouvailles et de réjouissance. On annonce ici plusieurs danses traditionnelles, les concours culinaires et de beauté, ainsi qu'un bal populaire.